Lundi 20 mai 2019, direction la Côte d'Ivoire avec le jour plus qui offre sa manchette à une interview de Kobélan Kwasi Adjoumani à, à propos de l'affaire Amadougon Gon est-il présidentiable Amadougon Gon est craint et redouté par l'opposition, c'est pourquoi il suscite tant de levées de boucliers, répond-il. Et du premier ministre ivoirien, il est de nouveau question avec le Patriote. Adjoumani à propos des attaques contre le premier ministre, Gon Koulibaly fait peur à l'opposition. Rebondissement dans l'affaire de riz avarié avec le sursaut, le tribunal suspend la destruction des 18 000 tonnes de riz. Voici les nouvelles exigences des consommateurs. Il révèle le journal dans ses colonnes. Au Togo avec liberté, prorogation de la révision des listes, le faux fuyant du pouvoir et de sa commission électorale nationale indépendante. Voici les techniques de fraude des élections en Afrique. Liton en manchette du journal Actualité identique avec Togo Matin, révision des listes électorales, la CENI a joué les prolongations. Au Burkina Faso, le pays nous parle de la montée de l'extrémisme violent. Les évêques ouest-africains ont prié pour la paix dans la région, voici l'appel de Yagma. Église, famille de Dieu en Afrique de l'Ouest, les prêtres prêchent la tolérance, dit Sidoya. Et avec l'Express du Faso, on lit, centre Don Bosco et Bobo Dioulasso le licenciement qui endeuille la maison. Au Bénin, l'actualité est à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. La nation titre Comment Louis Vlavonou a été élu La presse du jour rebondit sur la même actualité. Huitième législature de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou au perchoir pour 4 ans. Vlavonou président, dit le matinal. Et maintenant au pays de la Teranga, c'est la torpeur et la désolation. Meurtre de la fille du DG de l'ADL, révoltant, estime l'enquête. Viol et meurtre sordide de Bineta Kamara à Tamba, déplore l'As. Le quotidien ne change pas d'actualité. Viol suivi de meurtre, mais sanglant pour les femmes. Une semaine après la tragédie de thiès un cas similaire se produit à tamba le vigile de la famille en garde à vue meurtre à tamba et wakam renchérit le wolf quotidien la criminalité prend Cartier. Et libération de dire, lui aussi, week-end sanglant entre Dakar et Tambacounda, les révélations des enquêtes. Comment Bineta Kamara a été violée et exécutée chez elle à Tamba. Pourquoi le vigile de la maison est en garde à vue. Les dessous de la descente de la police scientifique. Et ce que disent les premiers constats effectués par les enquêteurs. Une affaire mystérieuse qui inquiète les enquêteurs. Actualité non moins triste avec l'union au Gabon, accident ferroviaire entre la Lopé et l'Ofoué. Trois personnes ont péri dans la collision entre deux trains marchandises dans la nuit de samedi à dimanche. Les victimes sont deux agents de la société d'exploitation du transgabonais Citrag et un prestataire. On déplore également autant de blessés et des dégâts matériels considérables. Et enfin au Maroc, du côté du royaume chérifien avec le matin, il est question de la fondation Mohamed VI des Zoulema africains qui lance son site web et le projet de magazine des Zoulema africains. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de semaine. À demain.